Comment va le marché immobilier à Magog? Salut tout le monde, François Bérard-Dubois, courtier immobilier résidentiel. Et aujourd'hui, on revoit les statistiques immobilières 2021 contre 2022 pour le mois de mai et pour tous les propriétés résidentielles du secteur de Magog. Commençons tout de suite par le prix de vente moyen. L'an passé, on était à 368 000 et cette année, 756 000. Mais wow! C'est pas parce que ta propriété a pris 400 000 de valeur, c'est juste parce qu'il y a des propriétés plus luxueuses qui sont vendues. Et malheureusement, ça va venir fausser un peu certaines statistiques qu'on va analyser aujourd'hui, mais il y a quand même plusieurs statistiques avec lesquelles on va pouvoir travailler. Au niveau du délai de vente moyen, ça prenait 46 jours l'an passé vendre une propriété et 45 jours cette année. Donc, c'est relativement très semblable. Rapide. Au niveau du nombre d'inscriptions en vigueur, il y en avait 79 l'an passé, 72 cette année, ce qui est une légère baisse et ça va se traduire par une baisse aussi du nombre de ventes, 32 l'an passé et 27 cette année. Mais la statistique la plus importante, c'est le prix de vente versus le prix affiché. L'an passé, on était à 100%, donc tu mettais une propriété en vente à 300 000, tu pouvais t'attendre à la vendre à 300 000, mais cette année, 98%. Et pourquoi? Ben parce que les propriétés luxueuses souvent se font négocier une petite affaire parce qu'il y a un moins gros bassin de personnes qui sont prêtes à l'acheter. Donc ça vient fausser un peu cette statistique-là parce que par expérience, j'ai fait des transactions à Magog, je connais très bien le marché. Si tu veux vendre une propriété ou acheter une propriété qui est entre 250 000 et on va dire 750 000, il y a des bonnes chances que tu te ramasses en surenchère, il y a des bonnes chances que tu te ramasses en 9 multiples, c'est la réalité. Donc si tu veux vendre, c'est un très très bon moment. Si tu veux acheter, ben je te conseille de peut-être faire équipe avec un courtier immobilier dynamique, qui connaît ta région et qui est capable de t'aider à mettre les bonnes conditions, le bon prix pour que tu puisses réussir ton projet immobilier. On se revoit à la fin du mois de juin pour l'analyse des statistiques immobilières et au cours du mois pour les capsules éducatives immobilières. Bonne fin de journée.